dans beaucoup de collectivités, il y a une difficulté de niveau de formation, une difficulté de compréhension du code des collectivités. Comment avez-vous évalué la nouvelle équipe qui gère actuellement la commune rurale de Korbé? Actuellement, c'est ce que j'ai souligné. La mise à niveau des élus manque beaucoup ici. Donc, il faudrait que nous prenions des dispositions pour la formation de ces conseillers, pour qu'ils puissent maîtriser le nouveau code révisé des collectivités. Donc sans ça, ils ne pourront pas maîtriser, ils ne pourront pas participer au redéveloppement de leur localité. Oui, au niveau de certaines communes, il y a un problème de manque de cadres, notamment de secrétaires généraux ou de receveurs communaux. Est-ce que c'est le cas à Korbé? Effectivement, le cas se fait sentir à Korbé. Donc ici, nous avons un seul receveur pour six communes. C'est ça. On a un général ici qui est en mission à Conakry. Oui. Depuis quand? Depuis 3 mois. Par rapport à cette itinérance du receveur communal, oui. Est-ce que ça n'empiète pas sur le taux de recouvrement? C'est effectif. Donc, sa rareté crée beaucoup de problèmes. C'est une des difficultés que je vous ai citées ici. Donc, il faut... À l'avenir, il faut que nous ayons au moins un receveur permanent pour me permettre de maîtriser certaines évasions fiscales. Donc, s'ils sont présents, là, le recouvrement sera possible. Comment cette collectivité a exécuté, par exemple, le programme ANAFIC en 2019 avec l'absence du receveur? Comment ça a fonctionné? Donc, vous savez ici que quand il s'agit de faire un décaissement, le receveur répond. Dès que le maire l'appelle, là, il répond à l'appel du maire. Ça, il faut le reconnaître. Mais c'est sa permanence qui fait défaut. Mais la gestion des ressources, comment ça s'est fait? Ça s'est fait, normalement, les ressources décaissées sont gérées par le receveur. Par le receveur, oui. Jusqu'à l'exécution. Oui. Non, mais comment ça s'est fait quand c'est pas facile de mettre la main sur lui alors qu'on a sorti l'argent? Donc, quand il est question de faire une liquidation, le maire lui fait appel. Il vient, il régularise la situation financière. Là, pour ça, au moins, il est régulier dans ça. Le seul problème, c'est parce qu'il n'est pas permanent ici. Mais là aussi, on peut dire que c'est parce qu'il couvre six communes. C'est peut-être ce qui fait sa faiblesse. Sinon, c'est un bon cadre qui est très disponible.